Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui nous allons faire un nouveau soutien qui s'adresse surtout aux élèves de la première année des cycles collégiales qui ont pour livre le français au collège, page 54. C'est parti. Alors nous allons, comme vous voyez, nous avons ici un texte qui a pour titre le prix de la vie humaine. Le prix al-thaman hayat al-insan ou al-hayat al-bashariya. Il était une fois, il y a un temps, au Japon, un prince ou al-amir qui avait fait faire 20 vases de porcelaine d'une magnifique beauté. الأمير كان عنده واحد يعني 20 مزهرية يعني مصنوعة بطريقة جميلة من البديع كما نقولوا احنا في الدرجة المغربية. Il ne vivait que pour les admirer. Donc il aimait beaucoup ces 20 vases. Admirer, ça veut dire les aimait beaucoup. يعني كان معجبا بمزهرياته. إذن هنا كما ترون بما أننا عندنا C'est un conte, yani, ou sert d'un khayali, yani un récit imaginaire, parce qu'il commence par Il était une fois. Et donc, on va délimiter la première étape de ce conte. Donc, ce conte commence par Il était une fois et s'arrête jusqu'à admirer. Donc, ça, on appelle ça, c'est la situation initiale. On appelle ça la situation initiale. Donc, on commence. Donc, c'est cette partie. Jusqu'à admirer. Donc cette partie qui commence par « Elle était une fois jusqu'à admirer », c'est la situation initiale. Il y en a une autre, Donc dans la situation initiale, donc c'est le début de l'histoire, c'est une situation calme, une situation en équilibre, dans laquelle l'auteur précise les personnages et le temps et le lieu. On poursuit la lecture. Un jour, une servante en cassa un. Par mégarde. Lorsqu'on dit par mégarde, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait cela exprès. C'était par accident. إذن واحد النهار واحد الخادمة ماذا فعلت؟ كسرت يعني كان خطأ منها ليس كان يعني لم تكن متعمدة سيتي باغ ميغا سيتي باغ أكسيدون alors puisque la servante en casse un le prince entra en fureur donc le prince se met en colère la fureur c'est la colère l'amir كان غاضبا alors puisque le prince était en colère Qu'est-ce qu'il a fait par la suite? La condamna à mort. Donc la deuxième partie qui commence par un jour jusqu'à la mort, donc c'est l'événement perturbateur. Il a dit Al-Amin al-Mufajir. Al-Hadith al-Mufajir. Il a dit C'est Yurayr al-Majr al-Hadith. Ayant appris cela, un des sujets du prince se présenta. Il a dit من ذاك الأشخاص الذين يعني يشتغلون في خدمة الأمير يعني تدخل عندما علم بالخبر علم ماذا سيقع للخادمة ماذا فعل يعني تقدم وقال Je suis possesseur dit-il d'une recette précieuse pour réparer le vase إذن هذا الشخص الذي يخدم في مصلحة الأمير قال لك انا مالك امتلك جو سوي بوسيسور يعني جو بوسيد اون روسيت يعني واحد الوصفه يعني عجيبه بوكوا بو ريباري لكي يصلح المزهريه المكسره لو فاز بريزي سون كون سوبسون لا مواندر فيلور اذا قال لي بان يمكن ان اصلح ريباري المزهريه بدون يعني ترك واحد الاثر او كسر يعني كانها جديده Il faut seulement me montrer tous les vases ensemble. يجب أن تبين لي كل المزهريات إذن هنا
هذا لو باراغراف ايون ابري سولا جوسكا انصامبل اون ابل سا لي بيريبيسي. Les péripéties, ce sont quoi? Ce sont les actions qui viennent après l'événement perturbateur. Et d'ailleurs, les péripéties, elles sont une marhala ou une marahil, la titati, ba'da dhol mushkil. On le conduisit dans la pièce où les précieux fétiches reposaient sous une tenture de soie. Et d'ailleurs, il y a des roubis, واحد مكان. في قاع دوك الميزاريات مجموعه في واحد يعني في واحد المكان يعني جميل جدا. Il souleva la draperie et d'une poussée le jeta tous à terre. ماذا فعل هذا الذي في خدمه الامير؟ يعني رفع يعني الميزاريات ورماهم كلهم على الارض. Il les brisa en mille pièces, يعني وحطمهم كلهم. Les 19 vases restants, dit-il au prince, auraient pu coûter la vie à 19 autres personnes. Et d'un moment, il a dit que le chars, il a dit que si tu as cassé 19 miséria, il a dit que tu as 19 personnes. Il a dit خذ نفسي خذ روحي. Et d'un moment, had le paragraphe qui commence par on le conduisait. Jusqu'à ce sera assez, on appelle cette situation ou bien cette étape la résolution des problèmes. Le sujet, un des sujets du prince, propose la solution au prince. Donc ce paragraphe représente la résolution des problèmes. L'idée est la fakra, le dernier paragraphe. Le prince comprit la leçon. L'amir fait et pensant que tous les vases dorés ou sculptés de son palais ne pouvaient valoir la vie d'une personne humaine. Fahima bi'anna had mizariyat mimkinch annahom yani yesawi hayat dial insan. Yani hayat el insan hiya yani aghla min koul chey. Idan le prince comprit la leçon et pensait que tous les vases dorés ou sculptés de son palais ne pouvaient valoir la vie d'une personne humaine. Il lui fit grâce. Idan ma idan chna hiya nihaya? Il lui fit grâce. Grâce et le pardon, yani samah afa anhu wa afa kadhalik ala al khadima ainsi qu'à la servante. Donc le dernier paragraphe donc représente la situation finale. Idan hadhihi al faqra al akhira tumathilu yani al marhala al akhira kama tarawni hiya nihaya sa'ida. Donc c'est une fin heureuse. Pourquoi c'est une fin heureuse? Parce que le prince donc a pardonné non seulement un de ses sujets, mais aussi à sa servante. Alors, observons le tableau suivant. Dans ce tableau, vous avez le genre de texte. Il dit nous avons un conte, le conte. Qu'est-ce que l'arabie le conte ou le hajjaya ou le khurafa? Le conte, comme on a dit, c'est un récit imaginaire. Ou un nasson ou ser, comme on dit, récit, haki, khayali, imaginaire. Limada, parce que le conte, comme on a vu, commence par elle était une fois. Alors, quels sont les personnages? Vous avez S ici, personnage, principe, pour cela, moi, je suis ici. Le prince, la servante, un des sujets des princes. Le héros, al-batal. D'aïman flocante, on a un héros, un al-batal. Un des sujets des princes. Le lieu de l'action, c'est le Japon, l'Yéban. La morale du conte, c'est l'Ibra, le conte. La vie humaine n'a pas de prix. Al-hayat insaniya, laysa laha tamal. La tuqaddru tamal. Donc, on va résumer. Le conte est un récit.
لو شيما ناراتيف دي كونسيني هو داك النظام، كاين واحد النظام ديال لو كونت، نظام واحد النظام منسق. شنو هو؟ اولا عندنا لو شيما ناراتيف كومبورت 5 ايتاب، يعني او 5 ايتاب عندنا بالنسبه للنظام او لو شيما ناراتيف. تحتوي على عده يعني مراحل. المرحله الاولى سميتها لا سيتياسيون انيسيال، دونك il commence par il était une fois jusqu'à pour les admirer. Comme on a la cité initiale, c'est le début de l'histoire. C'est dans sa situation initiale, l'auteur donc présente les personnages, le lieu et le temps. Et c'est une situation dans laquelle il n'y a pas de problème. Tout va bien, tout se déroule à merveille. C'est une situation en équilibre. Après vient l'événement perturbateur. Les péripéties. Le texte commence par ayant appris cela jusqu'à montrer tous les vases ensemble. Après les péripéties, il y a la résolution du problème, hal le mouchkil. On le conduisit jusqu'à prendre la mienne. Voilà la situation finale. Donc c'est une situation qui se termine souvent par une fin heureuse. La situation finale. Le prince comprit la leçon. Il a gagné l'amir faïm ou haddas. La vie humaine n'a pas de prix. 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 La vie humaine commence par le prince compris la leçon jusqu'à il lui fit grâce ainsi qu'à la servante.